tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler d'une arme unique qu'on va pouvoir trouver à côté du bâtiment de masse fusion que l'on voit sur l'image, un très grand bâtiment ou plutôt une grande tour. On va partir de College Square qui est juste derrière moi. Je vais vous montrer la position. Alors, nous sommes à cet endroit. Côté de Station Park Street. Normalement, on a voilà, Boston Common qui est pas loin. Et ensuite, une fois que vous aurez mis votre petit marqueur, on va aller en direction du bâtiment de masse fusion. Alors, à droite, vous avez des super mutants. Nous, on va continuer tout droit. Il y en a même ici à gauche, je crois. Et nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est de continuer tout droit. Alors, sans se faire repérer, ce serait pas mal. Par contre, là, on a un super mutant qui va nous faire chier. Allez, c'est parti. Alors, on va directement aller sur le côté de masse fusion. Et normalement, voilà, on tombe sur un chien cabot sauvage légendaire qui va nous permettre soit de ramasser une arme, soit de ramasser un élément d'armure unique. Là, on va le tuer avant qu'il nous bouffe la tronche. Un coup critique, on va en profiter. Je me disais, il y a un petit souci, en fait, il avait besoin de recharger. Ah, ça lui a fait mal celui-là. Et ça y est, il a enflammé le chien. Ah, ça fait mal. Allez, plus qu'une balle. Normalement, et ça devrait le faire. Voilà. Ah non, ce coup-ci, on a un plastron en métal de type endurance, force et endurance plus 1. Alors, il me semble que j'avais déjà récupéré cet élément dans une autre vidéo, mais pas en plastron, en brassard gauche ou droit, je sais plus exactement. Au moins, ça complétera la collection pour celui-là. Valeur à 200, donc une valeur un peu plus élevée que les éléments d'armure de d'habitude. Aucun mode, comme d'hab aussi. On va le prendre, comme ça. Voilà. Et comme ça, on a récupéré cet élément d'armure sur ce cabot sauvage. Alors, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je vous le répète, si vous reprenez votre ancienne sauvegarde, excusez-moi, vous allez pouvoir peut-être tomber sur un autre cabot sauvage légendaire au même endroit, tel qu'on le voit sur l'image. Vous allez pouvoir essayer de trouver un objet différent de celui que moi j'ai trouvé. Mais déjà de base, vous allez sûrement tomber sur autre chose que ce que je viens de trouver. Alors je vous conseille de venir ici et de tuer ce cabot pour voir ce que ça vous offrira. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu pour cette courte vidéo. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à la prochaine vidéo.